Professeur Didier Raoult, au vu des dernières données, où pensez-vous que nous en sommes sur le plan de l'épidémie et que pensez-vous donc du confinement, du déconfinement qui se rapproche? Écoutez, nous on suit avec énormément de tests l'épidémie. Et donc, vous voyez qu'on a eu un pic qui était à ce moment-là. Et depuis, on a une décroissance continue. Et donc, cette courbe, c'est une courbe en cloche. Ça s'appelle une courbe en cloche. C'est la courbe typique des épidémies. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Donc, l'histoire de rebond, c'est une fantaisie qui a été inventée à partir de la grippe espagnole qui a commencé l'été. Donc, il n'y a rien à voir. Et donc, généralement, ça se passe en une seule courbe qui est une courbe... en globe de cette nature-là. Et donc, il y a... Donc, moi, tout le monde sait que j'ai une erreur de prédire, en particulier des modèles, mais cette manière de se construire est quelque chose qui est assez usuel pour les épidémies. Les épidémies ont disparu dans le temps, bien avant qu'on ait le moindre moyen de les contenir. Elles disparaissaient quand même. L'humanité est morte d'aucune épidémie. C'est comme ça. Les épidémies commencent, s'accélèrent, elles culminent. C'est le moment maximal de transmissibilité, et elle diminue, et elle disparaît, et on ne sait pas pourquoi. De la même manière qu'on ne sait pas pourquoi, quand nous, on suit depuis très longtemps les gens qui font un pèlerinage à la Mecque, qui reviennent à Marseille, certains reviennent avec le virus de la grippe, parce qu'ils ont rencontré des gens pendant la période pendant laquelle c'était épidémique, mais comme c'est en été, il n'y a pas de cas secondaire, parce que la grippe n'est pas transmissible ici, en été. Je ne sais pas pourquoi, personne ne le sait. C'est ni la chaleur, parce qu'il y en a en Afrique, ni l'humidité, parce qu'il y en a en Afrique. Et donc, c'est des phénomènes d'écosystème. Dans notre écosystème, nous, de pays tempérés, il n'y a pas de grippe pendant l'été. En tout cas, de la grippe ordinaire. En revanche, il y a eu de la grippe espagnole, il y a eu H1N1, il y a eu la grippe de Hong Kong, qui sont développées pendant l'été. Donc, c'est un cycle général, habituel, qu'on voit, qui se reproduit assez souvent. Ça ne veut pas dire que chaque fois, il va se reproduire, mais... Pour cette maladie dont on ne savait pas du tout comment elle se comporterait, on voit qu'elle se comporte comme ça. Et donc il y a des gens qui sont une très bonne équipe de mathématiciens de Singapour qui ont du coup fait une projection en disant « Écoutez, si cette courbe se produit comme ça, essayons de voir si on retrouve la même courbe. » Et donc ce qu'on voit, c'est que, eh bien, donc eux sont à Singapour, donc ils essaient de prévoir quand est-ce que ça va s'arrêter. Et puis ça, c'est le monde. Et puis ça, c'est les États-Unis. Et vous voyez que ça marche très bien pour l'Italie. L'Inde a commencé un peu en retard. Vous voyez que la Turquie a une courbe tout à fait comme ça. L'Angleterre aussi. L'Allemagne aussi, qui a l'air d'approcher de la fin. La France aussi, vous voyez, a le même type de courbe, avec des pics qui sont dus plutôt à des artifices sur le nombre de cas. Et donc, qui ressemble, nous, à notre courbe. Et donc, bien sûr, encore une fois, les prévisions sont à prendre avec précaution, mais les dates qui ont été fournies par le président ne sont pas extravagantes, dans le sens où cette étude prédit que 97% des cas auront eu lieu aux alentours du 7 mai et 99% aux alentours du 19 mai. Donc on est dans la marge, effectivement, au moment où on devrait pouvoir faire du déconfinement et organiser d'isoler seulement les gens positifs, sachant qu'il est vraisemblable qu'à ce moment-là, la transmissibilité du virus sera devenue beaucoup plus faible. Voilà, ça c'est des données réelles, encore une fois, hein, ce n'est pas des fantasmes sur la maladie. Hein. Donc le rebond, je ne sais pas d'où ça sort. Ça, le fait qu'il faut 70% d'une population immunisée pour la contrôler non plus, c'est des chiffres entièrement virtuels. C'est pas comme ça que ça se passe. En revanche, ce que je vous donne là, c'est juste des données d'observation et des observations que vous pouvez avoir sur à peu près toutes les épisodes épidémiques. C'est comme ça. Vous savez, ça existait le temps de la variole, le temps de la rougeole. Il y avait des épidémies, puis s'arrêtait. L'épidémie s'arrêtait. C'est comme ça pour des raisons qu'on connaît très mal. Peut-être que l'avenir nous permettra de mieux comprendre les relations entre l'écosystème et la transmissibilité des maladies infectieuses.